Salut à tous, c'est CamTime et aujourd'hui on se retrouve pour l'actu high-tech numéro 2. Aujourd'hui on va parler de Microsoft qui a annoncé lors de la GDC à San Francisco qu'il voulait tout simplement ouvrir les serveurs de leur console à d'autres plateformes. Les joueurs du Xbox Live auront donc la possibilité d'affronter ou de coopérer avec des joueurs PC et PS4. Ce choix ne sera cependant pas imposé, les joueurs pourront choisir d'activer ou non cette fonctionnalité. Il faudra également que les développeurs choisissent d'ajouter cette possibilité durant le développement. Sony n'a encore rien confirmé de son côté, il n'est donc pas improbable que le cross-platform se limite à la Xbox One et au PC pour le moment. Cependant, Sony a répondu indirectement en disant que PlayStation a toujours supporté le cross-platform et ce depuis la sortie de Final Fantasy XI en 2002. Nous serions donc heureux de discuter avec n'importe quel éditeur ou développeur intéressé par le cross-platform. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, ce que vous en pensez. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose de se dire que les joueurs Microsoft et PlayStation pourront enfin jouer ensemble. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, en parlant de cross-platform, Rocket League sera le premier jeu qui pourra profiter de cette nouveauté dès le printemps. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner. C'était CamTime, à la prochaine.